Bonjour les apprenants, je m'appelle Madame Totolo Cynthia. Je suis maîtresse de CP1. Je suis là pour vous présenter une leçon de français, précisément le langage. La première journée, je vais vous présenter la deuxième, la troisième et la quatrième séance. Nous allons donc prendre notre livre et ouvrir à la page 10. À la fin de la séance, à partir d'un dialogue expliqué, l'apprenant doit être capable de mémoriser tout en dramatisant le dialogue. Comment s'appelle la fille qui est devant la porte? Elle s'appelle Bello. Bien, suivez maintenant le dialogue. Bonjour Bello. Ça, c'est monsieur qui parle. Dans le dialogue, là, il y a deux personnes qui parlent. Le maître et Bello. La première personne qui parle, c'est Bello. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bello. Bien. On va répéter réplique par réplique. Suivez bien la maîtresse. On commence par la première réplique. Répétez après la maîtresse. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Le premier banc. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. La première rangée. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. La deuxième. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. La troisième rangée. Bonjour, monsieur. La quatrième rangée. Bonjour, monsieur. Toute la classe. Bonjour, monsieur. Très bien, on passe maintenant aux deuxièmes répliques. On répète après la maîtresse. Bonjour, Bello. Le premier banc. Bonjour, Bello. La première rangée. Bonjour, Bello. La deuxième rangée. Bonjour, Bello. La troisième. Bonjour, Bello. La quatrième rangée. Bonjour Bello. Toute la classe. Bonjour Bello. On répète maintenant toutes les deux répliques. Un à un d'abord. On répète après la maîtresse. Répète. Bonjour monsieur. Bonjour Bello. Le premier banc. Bonjour monsieur. Bonjour Bello. Le deuxième banc. Bonjour monsieur. Bonjour Bello. La première rangée. Répétez après la maîtresse. Bonjour monsieur. Bonjour Bello. La deuxième rangée. Bonjour monsieur. Bonjour Bello. La troisième rangée. Bonjour monsieur. Bonjour Bello. Et enfin la quatrième rangée. Bonjour monsieur. Bonjour Bello. Toute la classe. Bonjour monsieur. Bonjour Bello. Bien. Tu viens d'apprendre les répliques. Recite-les. On passe maintenant à la deuxième séance. À la troisième, excusez. À la fin de la séance portant sur la fixation des structures, l'apprenant doit être capable de saluer son ami. On observe encore l'image. Observons encore l'image. Qui est cette fille? C'est Bello. Très bien. Et le monsieur là? C'est le maître. Où sont-ils? Ils sont à l'école. À l'école, c'est vague. Il faut préciser. Ils sont en classe. Très bien, ils sont en classe. Où est Bello? Bello est devant la porte. Pourquoi elle est devant la porte? Parce qu'elle vient d'arriver à l'école. Et que dit-elle à monsieur? Elle dit, bonjour monsieur.
Et que dit le maître? Le maître dit bonjour Bello. Est-ce que Bello, quand il dit bonjour à monsieur, elle tend la main? Non, elle ne tend pas la main à monsieur. Elle ne tend pas la main à monsieur. Quand on salue la grande personne, on ne tend pas la main. On ne tend jamais la main à une grande personne en le saluant. Tu viens d'apprendre à saluer. Salue ton ami de gauche. Nous allons maintenant travailler avec la boîte à mots. À la fin de la leçon, à partir des objets présentés, l'apprenant doit être capable de les nommer. Comment s'appelle ce que je vous montre là? C'est une ardoise. Très bien. Observez maintenant ce matériel. Observez bien. Observez veut dire regarder avec attention. Il faut bien regarder parce que je vais vous poser des questions sur ça. C'est quel matériel que je vous montre là? C'est le matériel scolaire. Très bien. Comment s'appelle ce que je montre? C'est le stylo. C'est bien. Et ça là, comment on appelle ça? C'est une gomme. Regardez maintenant ceci. Ça là, c'est quoi? C'est un cahier. Et là, comment on appelle ça? C'est une ardoise. Très bien. Et là, c'est une règle. Très bien. Et enfin ça, c'est le livre. Bien. Là, nous avons nommé les matériels scolaires. Tu viens d'apprendre à nommer les objets. Nomme les objets présentés. Nous sommes maintenant à la fin de notre leçon. Au revoir et à la prochaine.